Hey, salut tout le monde, c'est Diablo et on se retrouve pour le 7ème épisode sur Carmageddon, sur mon let's play. Et aujourd'hui on va jouer sur ce circuit que je vous ai présenté brièvement la fois précédente. Donc on va commencer par montrer les différents coureurs. Donc on retrouve Vlad. Ah oui, dans la course précédente j'ai gagné ce véhicule, donc je vais l'essayer cette fois-ci. On retrouve le même avec sa Countach. Le même avec sa coccinelle, la Volkswagen, les Autoscum. Alors eux, ils ont trois véhicules différents, je crois. Parce que... Et on retrouve elle aussi. Ok, c'est parti. J'ai changé de véhicule. Hop. Et j'ai aussi équipé le turbo. Voilà. C'est parti. Donc j'ai vu que vous étiez un peu nombreux à regarder mes vidéos, enfin pour l'instant, donc n'hésitez pas à regarder mes vidéos et puis surtout à liker quoi, à commenter, surtout à commenter pour me dire ce qui va ou ce qui va pas. Donc là visiblement ça a changé vu que j'ai pris Vlad. Donc vous pouvez pas se retrouver avec deux mêmes voitures, donc là ça a changé les opposants. Donc voilà, nouvel environnement. Alors c'est pareil, c'est nouvel environnement, c'est pareil, c'est dans la ville comme dans le premier circuit, sauf que là c'est différent. C'est un autre secteur je dirais. Donc là par rapport à l'autre véhicule, on sent vraiment la différence au niveau de la conduite et même... de la physique du véhicule quoi, tout simplement. C'est à dire que là je fonce pas mal. Bon déjà on est niqué un, ok. On est détruit un. Ah je l'ai gagné. On voit qu'il est monté. Ciel entre guillemets. Donc celui-là j'utiliserai la course suivante. Déjà je préfère ce véhicule. Enfin son véhicule à lui plutôt que. Déjà on remarque que quand même je les abîme pas mal dès le premier coup. Oui ça doit être. Il fait que ma véhicule est surtout balèze en longueur. Donc je vais pas trop m'éterniser sur ce circuit parce que déjà le fils du véhicule moi j'aime pas du tout. Voilà, vu l'intérieur ça donne ça. Il commence à pas de gueuler. Par contre ça n'a aucun frein quoi. Ouais, là, on va changer le truc. On va en brocher quelques-uns quand même. Ouais, ok, carrément sur le trottoir. Je tape carrément le trottoir. Là, je suis en train de perdre des crédits. Hein. On voit que Lost, Lose, Loss. Vraiment pas pratique ce véhicule. Je pourrais même pas être droit. Quoi. Bon j'arrive vraiment à leur faire des dégâts quoi. Celui-là déjà, quand il fume comme ça, c'est qu'il est pas loin de crever. Ce que je vais faire c'est que je roule en l'air. Ouais, faut faire gaffe dans ce environnement, en fait les trottoirs sont un peu surélevés. Voilà. Et vu que le parcours est super bas, je me tape tous les trottoirs. Quoi.
Ouais, je m'entends bien avec Profi. Ce qui est chiant, c'est que eux ils écrasent aussi les piétons, quoi. On perd des points. Moi je vais tuer un. Alors vous avez vu, j'ai fait une vidéo découverte sur Dirt 3, enfin pour ceux qui ont vu. Donc pareil, hein, je ferai quelques vidéos découvertes. Peut-être après ça se transformera en let's play, ça dépendra de si vous en voulez un, de let's play d'ailleurs, enfin sur les jeux. Quoi. Pour l'instant, bah, je continue celui-ci. Même si visiblement j'ai pas vraiment beaucoup de vues pour l'instant, mais bon. Moi, c'est un jeu qui m'a vraiment plu quand j'étais jeune. Ça me dérange vraiment pas de le faire, quoi. Surtout qu'il y en a peu qui proposent ce jeu là en let's play, surtout en français quoi. Donc autant que je le fasse. C'est surtout l'avant en fait, hein. Chaque fois que je suis sur un trottoir, ça tape. Bah, c'est vraiment inconduisible. Franchement, je vous montrerai que sur ce circuit là. Alors, je sais pas ce qu'ils font les joueurs là, ils sont dans les murs. Ouais, tout à l'heure on a vu la Ferrari qui s'est pris une barrière. C'est vraiment. Ben, j'arrive à même à me surélever quoi. C'est comme ça. Ouais, c'est pas bon là, je suis en train de perdre des dollars. Je vais pas les traiter tout de suite. Quoi qu'il y en a deux, je sais pas. Ils ont l'air de bien vouloir me détruire moi. Hop. Je vais m'occuper de la Ferrari. Voilà, en un coup. Si c'est pas beau ça, en un coup je l'ai. Essayer de retourner sur le premier CP, essayer de boucler un tour. Ouais, tiens, ok, c'est moi qui ai tout pris. Ouais, ils ont vraiment décidé que je sois en négatif hein, cette fois. Oh, lui. Il m'en veut. Pourquoi il m'en veut? Parce que je détruis son copain. Là c'est peut-être mon copain. Putain, je vais à fond quand même, plus de 300.
sur ce circuit-là, j'ai un peu de mal. En même temps, avec ce véhicule-ci, c'est pas vraiment gagné. Merci de me pousser, j'étais coincé. Hop, petit 3-6. Ouais, je suis des figures. Voilà, hop, premier CP. On va essayer de chercher le deuxième. Putain, mais il me suit, hein, m'en veut. Attends, pas du tout, hein, par contre. Encore un plein page. Ouais, à chaque fois que je tourne, ça. Ça grince. Je vais la fermer, oui. Bon, il y a plus de 500 piétons, mais là, j'en vois pas des masses. Bon, je vais freiner parce que la dernière fois, je me suis mangé le truc. Salut à toi Alex, il joue à Euro Truck. Mais vraiment aucun piéton quoi. C'est vraiment chaud là pour gagner du temps. Comme je vous l'avais dit au début, hein, du let's play, certaines courses où c'est vraiment chaud d'avoir du temps. C'est vu le peu de piétons qu'il y a. À mon avis, ils doivent être tous entassés dans un endroit, hein, c'est pas possible. Pas pour ça, puisqu'il y en a peu. Ouais, il y en a pas mal. Ouais, je le finis. Merde. Bon, parfait, là il est coincé. Il va plus me faire chier. Ah, les flics. On va y voir si je lui inflige des dégâts là cette fois, vu que je vais plus vite.
Salut toi Pierrot. Qui joue à Darkseid 3-2. 3-2-1. Et là bizarrement t'as vu il s'est débloqué tout seul, je sais pas comment il a fait. Vous avez vu, le joueur s'est débloqué tout seul et derrière moi. Je fais vraiment n'importe quoi. Bon allez, je termine. Si me termine va pas avant, je termine si me termine pas avant. Et voilà. C'était assez laborieux, hein. Pour ne pas dire chien. Donc voilà, 16e épisode bouclé. À la prochaine.